Salut les amis, j'espère que vous allez bien, parce que moi, ben ça va nickel, toujours, 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 ça va toujours tranquille les amis. Aujourd'hui, une vidéo annonce, et oui, comme je vous l'ai promis les amis, bientôt, ben, c'est-à-dire samedi 26 septembre, il va avoir lieu un tournoi en duo les amis. Et ouais, ce fameux tournoi, depuis tant que je vous le dis, eh ben on a enfin trouvé la date et on va le se faire. Mais avant de vous expliquer comment ça va se passer le tournoi, les amis, je tenais à faire une parenthèse qui me, je pense que c'est très important, les amis, vraiment, à propos du Discord. Oui. Voilà, ceux qui rejoignent le Discord, les amis, lisez bien le règlement. Le règlement, c'est très important, les amis. Si vous voulez comprendre comment ça marche, le Discord, lisez bien le règlement, parce qu'il y en a plein, plein qui ne savent pas où écrire, qui savent pas où je peux faire ma pub, etc., etc. C'est dans le règlement, les amis. Le règlement, c'est fait pour ça, les amis. Bon, Coco, il s'est tué à faire un règlement, respectez-le. Vraiment, les amis, c'est très important, les amis. Très, très important. Donc, c'est simple, les amis. Lisez bien le règlement et tout en bas, vous avez juste à cliquer sur le règlement pour le valider et c'est bon, vous pouvez écrire dans les différents salons, les amis. Je tenais vraiment à faire cette parenthèse parce que c'est très important, parce que ça, des fois ça m'énerve parce qu'il y en a, ils disent ouais, faut faire quoi ton Discord, etc. Mais c'est marqué dans le règlement, les amis. C'est comme le chat, les amis. Très important, le chat. Lisez bien le chat parce qu'il y en a, ils disent c'est quoi le code? Alors qu'il est marqué à l'écran, en gros. Je sais pas, moi, la première chose que je vois, moi, dans un live, qu'il y a un truc écrit, ben, je le lis. Je le lis. Donc le code est toujours marqué sur l'écran en minuscule, les amis. Et respectez bien les modos, les amis. C'est très important. Très, très important. Parce que sans eux, ben, je pourrais pas faire de live. Vraiment, ils m'aident beaucoup. Donc respectez bien les modos. D'accord? Respectez bien les modos, les amis. C'est très important. S'il marque quelque chose, lisez bien le truc qui marque le modo. Respectez-le. Ne l'envoyez pas chier. Je sais que les modos, des fois, c'est un peu chiant, mais vraiment, moi, c'est pas parce que c'est mes modos que je dis ça, les amis. Ils sont très gentils. Très, très gentils, les amis. Ils sont comme moi. Si vous m'aimez, moi, si vous me respectez, respectez mes modos, les amis. Ils sont là pour vous aider. Si vous avez des questions, ils sont là, les amis. D'accord? Donc, respectez-le. C'est vrai qu'ils ont une façon d'écrire. Vous croyez qu'ils sont agressifs et tout, mais pas du tout, les amis. Pas du tout. Faut apprendre juste à les connaître, les amis. Ils font leur boulot de modo. Voilà. Les modos, c'est vrai que dans tous les lives, c'est chiant. Mais ils sont là pour vous, les amis, pour vous aider. Ils sont pas là pour vous prendre la tête. Vraiment, ça sert à rien de se prendre la tête avec un modo. Ça sert à rien du tout. Ça amène quoi? Ça amène un ban de 300 secondes ou un ban def. Donc ça, c'est pas utile de se prendre la tête pour un modo. Vraiment, ils sont là pour vous aider, ils sont vraiment gentils, les amis. Vraiment. Donc si vous m'aimez, si vous me respectez, respectez mes modos. D'accord? Et lisez bien le chat. Vraiment, lisez bien le chat. Parce que des fois, on répète au moins 10, 15, 20 fois la même chose. Alors que c'est écrit sur l'écran. Donc, lisez bien le chat. Voilà. Parce que les modos, ils le spamment. Ils spamment. Si vous avez des questions, ils le disent. Donc, lisez bien le règlement. Et utilisez les commandes, les amis. Utilisez les commandes. Commande Discord, commande Instagram, commande Twitch, Twitter. Il y a les commandes, c'est fait pour ça, les amis. Vous avez juste à mettre un point d'interrogation, Discord, Instagram, etc., etc. Voilà, c'est pas compliqué, les amis. Vraiment. Donc, respectez mes modos, s'il vous plaît. D'accord? J'insiste bien là-dessus. Si vous m'aimez, aimez mes modos et apprenez à les connaître avant de juger. Voilà. Vraiment les amis, hein. Je tenais vraiment à faire cette parenthèse avant de vous dire comment ça va se passer le tournoi. D'accord? Allez, passons à une autre page, passons au tournoi. Donc comme je vous l'ai dit tout au début de cette vidéo, le tournoi aura lieu le samedi 26 septembre. Moi je ferai un live, je lancerai mon live à partir de 21h. Une heure, les amis, d'accord? On fera des pépés. Par contre, il n'y aura pas de jeu, il n'y aura pas de défilé hein, pendant le tournoi, pendant le samedi. Hein. Je vous le dis d'avance. On fera que des pépés fight. D'accord?
Et mon maître poulet, c'est-à-dire Bruce, mon ami, que j'aime, même si des fois, hein, enfin, j'en dirai pas plus, lui lancera son live à partir de 22h, les amis. D'accord? À partir de 22h, moi je le rejoins en partie. On refera un petit peu de PP fight. Et dès qu'on sent qu'il y a du monde et tout, paf, ça sera la game du tournoi, les amis. Oui, parce que ça se passera en une game, les amis. Parce qu'on n'avait pas envie de se prendre la tête, moi et Poulet. C'est-à-dire les inscriptions, etc., etc. Ça serait trop, trop, trop long et pff, vraiment, ça serait trop chiant. Donc, nous, on voulait faire en une game. Voilà. C'est aussi simple que ça, les amis. Nous, on a envie de lancer à peu près vers 22h30 parce qu'après, ça serait tard. Donc, on va essayer, les amis, hein. Essayer de faire la partie à 22h30. D'accord? Mais après, il n'y a que vous qui pouvez le faire parce que nous, on voudrait qu'il y ait du monde. Ça serait bien de faire une PP à 100 personnes. Imaginez! Une partie à 100 personnes, on peut le faire, les amis. On peut le faire. On sera en double live. On peut le faire. Ça a déjà arrivé, les amis. Ça a déjà arrivé. On peut le faire, les amis. Pour faire ça, il suffit de partager le live. Partagez un maximum le live, même cette vidéo les amis. Partagez un maximum, mettez des pouces, que ce soit moi ou la vidéo de Bruce, partagez-les un maximum. De toute façon, la vidéo de Bruce, elle sera aussi en description les amis. D'accord? Comme ça, vous l'aurez deux fois le règlement. Comme ça, vous ne pourrez pas dire qu'est-ce qu'il faut faire, etc., etc. Vous l'aurez deux fois. Parce que moi, le règlement que je vais vous dire, c'est le même que Poulet. Ouais, je l'appelle Poulet, les amis, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est Maître Poulet, mais Bruce. Voilà. Donc, comment ça va se passer, les amis? C'est très simple. Dès qu'on dit c'est la game du tournoi, on dira la game du tournoi, c'est-à-dire la game pour gagner 20 euros, les amis. Oui, 20 euros, c'est-à-dire moi j'offre 10 euros, Bruce offre 10 euros. Voilà. Dès qu'on le dit, paf, ça commence, les amis. Donc, première règle, les amis. Il n'y aura pas 36 règles, hein, vous inquiétez pas, parce que bon, voilà. Première règle. Moi et Bruce, on va mettre notre anti-stream hack. Parce que bon, ça serait con, parce que si on nous tue, on verra les autres joueurs et ils diront, ouais, on m'a stream hack, nanana. Bah, comme d'habitude, comme les pépés qui se passent. Donc, du début à la fin, les amis, du début à la fin, on mettra notre anti-stream hack. Moi et Bruce, on se mettra dans un coin et tout. On regardera un peu. Ben, comment ça se passe, etc., etc. Par contre, vous ne devez pas nous tuer, les amis. D'accord? Vous ne nous tuez pas. Vous tuez les autres, on s'en fout, parce que c'est un tournoi. Donc, le principe, c'est se tuer, mais pas moi et Bruce, les amis. On mettra un skin pour nous reconnaître. Pour nous reconnaître, on mettra, mettons, un skin banane, voilà, un truc comme ça. Le même skin, on mettra le même skin, moi et Bruce. On essaiera de trouver un skin qu'on a tous les deux. On se mettra ou en Bambi, peu importe. Mais on veut que vous ne nous tuez pas, les amis. Et juste après le dernier, quand il fera top 1, hein, il faut qu'il reste, les amis. Il faut qu'il ne s'en va pas tout de suite. D'accord? Parce que comme ça, on attend de marquer les pseudos des gagnants. Ok? Deuxième règle, les amis. Deuxième règle. On n'a pas le droit de se mettre en anonyme, les amis. Parce que celui-là qui gagnera et qui sera en anonyme, il ne gagnera pas. Qu'on est clair là-dessus. Parce que comment veux-tu qu'on sache qui c'est le gagnant s'il est en anonyme? C'est impossible. Impossible. Et par exemple, s'il y a un anonyme dans un duo et que l'autre, il n'y est pas, il ne pourra pas gagner non plus. Je vous le dis, parce que nous, on veut deux pseudos qu'on voit. D'accord? On peut écrire le gagnant. Donc, pas d'anonyme. J'insiste bien là-dessus, les amis. Parce que s'il y a un anonyme d'un gagnant, il ne gagnera pas. Donc, on est bien prévenu, on est bien clair là-dessus. Pas d'anonyme. Ok? Voilà. Voilà les deux règles qu'il y avait à savoir pendant le tournoi. Et on aura le droit aussi au pouvoir, les amis. Parce qu'on ne peut pas empêcher. Le gars de ne pas prendre le pouvoir, on sait très bien que ça ne respectera pas ça. Donc on a droit au pouvoir. Voilà, je pense qu'on a fait le tour les amis. Je pense qu'on a fait le tour. Donc n'oubliez pas, je répète les amis, on n'a pas le droit de nous tuer, moi et Bruce.
et on n'a pas le droit d'être anonyme, les amis. D'accord? Bon, j'espère que vous aurez tout compris, les amis. Bon, cette vidéo, c'était vraiment une vidéo annonce pour vous dire que le tournoi aura lieu samedi 26 septembre. Et moi, je lancerai mon live à 21h et Bruce à 22h. Et on commencera vers 22h30 le tournoi. Voilà. Et comment ça va se passer pour récupérer les lots, comme vous direz? Vous avez le droit soit à une carte PSN, Xbox, enfin peu importe. Par contre, j'avais oublié, pour ceux qui sont sur Switch, et je pense que Bruce, il ne le sait pas, mais là, je vais le certifier. Pour ceux qui sont sur Switch, la carte à 10 euros n'existe pas. C'est maximum 15 euros. Donc, si c'est sur Switch, s'il y a un gars sur Switch, on aura quand même, s'il choisit une carte, il aura quand même une carte à 15 euros, c'est le maximum. Voilà. Il n'y a que ça, l'exception qu'on fera à la règle. Sinon, les autres, c'est 10 euros, les amis. Voilà. Et par exemple, vous avez le choix. C'est soit une carte ou soit un skin d'une valeur de 10 euros dans la boutique. C'est à peu près 900 V-Bucks. À peu près. Allez, je peux monter jusqu'à 1000 V-Bucks. Allez, vous avez le droit à un skin à 1000 V-Bucks. C'est à peu près ça, les 10 euros, les amis. Voilà. Vous avez le choix. Soit une carte ou soit un skin dans la boutique. Mais par contre, vous aurez les lots. Moi, vous aurez les lots mardi après le ou pendant le live, les amis. Pendant le live, vous aurez, si vous choisissez un skin dans la boutique, vous l'aurez pendant le live de mardi, les amis. Ou je vous contacte sur mes réseaux sociaux, ils sont tous inscrits là, que ce soit sur Instagram ou Discord. Je vous contacte, je vous envoie le code, ou je vous invite dans ma partie pour récupérer le skin si vous avez choisi un skin. D'accord, les amis? Et le lot, il sera distribué le mardi, les amis. Mardi. D'accord? Mardi. Si vous êtes présent durant le live, je le ferai en live. Sinon, je ferai une capture d'écran pour dire vous avez bien reçu les cadeaux, les amis. D'accord? Parce que nous, on n'est pas comme ça, hein. Moi et Bruce, on offre vraiment des cadeaux. On n'est pas des putaclics, des trucs comme ça, etc., etc., les amis. On a passé l'âge, je pense que j'en ai 35, Bruce en a 36. Donc, je pense qu'on a passé l'âge de faire des trucs comme ça et ça ne sert à rien, les amis. Donc, vous inquiétez pas, vous recevrez bien les cadeaux. Mais moi, j'offre à partir de mardi, les amis. Comme ça, on est sûr, si par exemple, vous avez choisi un truc dans la boutique, on est sûr que vous l'aurez. Parce que dans la boutique, il faut attendre 2 jours ou 3 jours, les amis. Comme ça, mardi, c'est sûr, vous aurez droit, si vous avez choisi un skin, vous aurez droit dans la boutique. Voilà. Et par contre, les amis, je tenais aussi à vous dire que je n'accepte plus les demandes d'amis. J'en ai beaucoup trop. J'ai atteint le plafond, les amis. J'en ai plus de 2000 amis. 2000 amis sur Epic. Ça sert à rien, les amis. Vraiment, ça sert à rien de faire ça. Ça sert à rien, vraiment. Donc, je n'accepte plus les demandes d'amis. Que ce soit sur PS4 ou sur Epic Games, je n'accepte plus. C'est pas que je veux pas, les amis. Au contraire, je voudrais accepter tout le monde. Mais au bout d'un moment, faut se dire, voilà, faut dire stop, les amis. Stop. Vraiment. Je suis désolé pour ceux que j'ai pas d'amis, enfin, qui voudraient être amis avec moi et tout. Malheureusement, on peut pas. Mais les amis, sachez, les amis, j'ai une communauté. Donc, ajoutez-moi dans la communauté PS4. C'est Ch'ti80. Là, vous pouvez me demander. Il n'y a pas de souci. On est déjà quasiment 550. Franchement, merci au passage. Donc, n'hésitez pas à m'ajouter sur la communauté. Et n'hésitez pas aussi à m'ajouter sur Discord, sur Instagram. N'hésitez pas, les amis. N'hésitez pas. Ça, tout sera marqué en description, les amis. Bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour, les amis. J'espère que vous allez bien respecter les 2 règles. Franchement, il n'y a que 2 règles. Donc, c'est quoi 2 règles? C'est rien, les amis. Donc, si, par contre, les amis, je tenais vraiment à souligner, si vous ne respectez pas ces 2 règles, vraiment, déjà, une la plus importante, de ne pas nous tuer. Si vous nous tuez, vraiment, on en refera une deuxième fois, mais pas la troisième fois, les amis. Qu'on soit bien clair là-dessus. Et si vous ne respectez pas, c'est très simple, les amis. Les 20 euros qu'on aura, Bruce, il fera un tirage au sort entre ses sponsors et ses modos. Moi, je ferai pareil, je ferai un tirage au sort entre mes modos et mes sponsors. Et puis voilà, on n'en parlera plus. Donc c'est pour ça, les amis, respectez bien les règles.
Très important, les amis. Très, très important. Parce que je sais, quand je fais les défilés ou les jeux, ben, ça respecte pas beaucoup. Ça respecte. Mais le matin, ça respecte, ça va encore. Mais l'après-midi, des fois, franchement, c'est... Bah, c'est casse-couille, hein, les amis, vraiment. Donc, c'est pour ça, je tiens à vous, vraiment, à vous dire, respectez bien ces deux règles. D'accord? Je les répète, les amis, je répète. De ne pas nous tuer. Et la deuxième, de ne pas être en anonyme. On n'en veut pas, les anonymes. D'accord? Si on voit un anonyme, les amis, qui gagne, c'est très simple, il ne gagnera pas. Hein. Il ne viendra pas pleurer, les amis. C'est très simple. Hein. Pour être... les amis, c'est très simple. C'est dans le... Dans... Le paramètre de jeu, les amis, pour se défaire en anonyme. D'accord? Vous allez dans les paramètres de jeu et vous trouverez des faits en anonyme. D'accord? Bon, les amis, sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis dans un prochain live. Et à samedi, ça va être cool avec Maître Poulet. Ça va être vraiment génial. Nous, on veut vraiment s'amuser, les amis. On compte sur vous pour s'amuser un maximum. Avant tout, s'amuser. D'accord? C'est le point important. S'amuser. Et ce qui compte, c'est de participer. D'accord? Allez, je vous aime, les amis. Vraiment, je vous aime. Vous êtes tous là. Tous dans mon cœur. Et je vous dis dans une prochaine vidéo ou un prochain live. Mais attends, plutôt un prochain live. Allez, ciao, ciao, bye bye. Bisous, bisous.